bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur South Park. L'anal du destin, souvenez-vous, nous en sommes à l'épisode 8 et on avait trouvé le coupable et la personne qui rayait sa voiture, et bah c'était lui. C'était lui parce qu'il était totalement bourré les gars et on a dû le régler très rapidement parce que sinon c'était une catastrophe. Donc on avait fait une sortie nocturne, souvenez-vous, il est temps d'en savoir plus. On va suivre notre frérot. Kyle est sur une autre mission pour l'instant. On doit se débrouiller seul, acolyte. C'est à nous de faire la lumière sur cette affaire. Donc, on est que deux. On est que deux. Je suppose qu'ils sont... Dépêche-toi de grimper. Ah, non, si t'as dit grimper. J'allais dire, je suppose qu'ils sont dans le jardin, mais pas du tout. Je me suis confondu avec lui. On est parti, donc... Le raccourci est en haut dans le grenier. Le coup nous a autorisé à l'utiliser. Des fois, quand c'est trop de sucre dans le sang, je deviens super fort et méchant. J'appelle ça ma fureur du diabète. Donc, on est avec Captain Diabète, hein. Bien joué, acolyte! Allez, on est parti, les gars, on monte. Vous l'aurez compris, il a un taux de diabète bien plus élevé que la normale. D'accord. L'épée, ça me met en colère. Le Koon dit que c'est parce que ma mère a pété quand je suis né et que c'est pour ça que j'ai le diabète. Le raccourci est derrière cette fenêtre. Je n'ai pas de base secrète, mais s'ils en avaient une, je rentrerai avant de faire venir des super invités. Touché. Il a maintenant préparé des selles pour nous. Bon par sang. Un ange. Ok. Donc bougez pas les gars, il faut que j'arrive à choper... Attendez, c'est un petit peu terrible. Ah, ok. Putain, alors pour le choper cette échelle les gars... Acolyte. Ce raccourci va nous amener directement au cœur de South Park. On est allez, parti acolyte, arrête de flipper. Quand même. L'intrépide héros et son acolyte s'enfoncent dans la nuit noire. Prêt à pourfendre le mal et à rétablir la paix. Tu crois quand même pas que les gens attrapent le diabète parce que leur mère a pété lors de l'accouchement, hein? Je crois que le Koon a tout inventé pour faire douter Capitaine Diabète. Comme tu peux le constater, acolyte, la nuit, South Park est un endroit bien différent. Il faut aller au Peppermint Depot, direction la Grand Place. Ok, on est parti, donc on doit aller au Peppermint. On va y aller. Ah oui, non, mais comme par hasard, les gens, ils sont tous rebous. Oh là 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 là, bah alors, madame, il faut pas faire des trucs comme ça. Tout le monde est en train de boire, ils sont tous totalement bourrés, les gars. Ah bah, ils ont passé une bonne soirée. County assure le meilleur groupe du monde. J'ai pas besoin de mettre... Ah, il y avait un concert. C'est juste une coïncidence. Oh là là. Première fois qu'il y a autant de d'animation, je dirais, sur un écran, sur un tableau. Ok. Ma fureur du diabète fera l'affaire. Oh la vache, je la sens monter. Tout ce sucre. Ah. Oh putain, c'est trop. J'ai besoin d'insuline. J'ai besoin d'insuline, vite. Et voilà de retour à la normale. Tu comprends maintenant comment j'ai appris à maîtriser mon diabète? Fais-moi par ici. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Alors, si vous avez du diabète, ne faites surtout pas ça, d'accord, hein? Ne prenez pas trop de sucre pour essayer d'avoir une force qui ne durera que quelques secondes, parce que ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et c'est très dangereux, en plus. Allez, on est parti, on continue, les gars. South Park Police Station. On y est. Oh. C'est là qu'on va trouver la fille. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Il y a certainement des individus louches et des tas de nibards à l'intérieur. Allez, il faut entrer. C'est ce qui m'intéresse. Je suis là pour ça, justement. Nibar, me voilà. Eh, du balai, les moutards. Faut avoir 21 ans. Écarte-toi, citoyen. C'est moi, Capitaine Diabète. Je dois m'adresser aux demoiselles à l'intérieur. Tire-toi de là avant que je te jette dehors. Que faire? Eh, les mômes, vous allez déguerpir, oui. Si vous voulez discuter, faites-le dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être faire ça. Je vous ai dit de filer d'ici. Non, on peut pas l'affronter. Il y a des tétons à tomber par terre là-bas et vous êtes trop jeune pour voir ça, alors cassez-vous. Je vois pas trop quoi faire là, je vous avoue. Faut peut-être tout simplement sortir, non? On va essayer cette option. Ok, je pense pas que ça soit par ici, les gars. Je pense qu'à mon avis, tiens, hop, il y a un sac par ici, ça je prends. Je suis quasi sûr que c'est à l'extérieur. Ou, j'en ai fichtrement aucune idée. Peut-être péter dans un tuyau. Il doit y avoir un autre chemin quelque part. Ouais, ok, donc s'il confirme ce que j'ai dit. Beau travail de détective, acolyte. Il ne reste qu'à trouver le moyen de monter.
Comment on peut faire? T'as bu un fur? Écarte-toi, acolyte! Non mais, regardez la taille des boulons par terre, genre il va soulever le téléphone! C'est tellement improbable. Après toi. C'est tellement improbable. Allez, on y va, les gars. Ok. Ah, il y a une capote remplie. Ah, je suis de gentleman, c'est dégueulasse. Attends, j'ai des shots à faire. Alors là, les gars. Attends, là c'est important, les gars. Là, c'est le boulot, là. Là, c'est le boulot, les mecs. Y a rien de plus important que le boulot. Je suis en train de me dévaster à côté du gars. Une bonne vidéo, un bon épisode de South Park. C'est un épisode où on chie ses grands morts dans des chiottes qui ne nous... Oh la vache. Dans des chiottes qui ne nous appartiennent pas. Vous l'aurez compris, pas mal. On est bon. On est bon, on est totalement bon. Allez. Oh, ce caca était compliqué. Ce caca était compliqué. Mi-mou, mi-dur, mi-homme, mi-molette. Tu me fais flipper. Ok. On va ramasser ça. On a quoi? On a une liste, très bien, rien de très intéressant en soi. Oh, la capote au plafond, fallait le voir, les gars. Bon, on a réussi à entrer dans le club de strip. Waouh! Les fusils sont vraiment... agiles! Pas de fusils, acolyte! Nous sommes des super-héros! On peut gérer ça! L'une de ces demoiselles a des infos sur le sein perdu! Mais qui? Il n'y a qu'une solution! Il faut soigner quelqu'un et l'emmener dans la pièce VIP! C'est pour soi et retrouve-moi ici! Ok! Trouver un moyen d'entrer, c'est fait! Ok! Ok, ok! Trouve une stripteaseuse à emmener au salon VIP. Parle aux stripteaseuses. Alors, on va faire la plus. Alors, elle c'est un bonhomme. Elle, c'est un bonhomme qui a eu quelques opérations. C'est quasi sûr. Elle, ça va. C'est plus mon style, brune un peu ténébreuse. Je n'oublierai jamais ce week-end. Tiens, hop, on va racketter toutes les machines. Voilà, on va récupérer un maximum de trucs. Je dirais elle. Elle, pour le moment. Parle aux stripteaseuses. D'accord, 1 sur 3. Mais j'ai pas le choix, en fait. La garderie est derrière le bar. D'accord, et la dernière stripteaseuse. Oh là. Non mais c'est elle qu'on va ramener. Reviens quand t'auras 21 ans et je te laisserai lécher mes implants. Ok, parle au capitaine diabète. Bon là c'est compliqué, hein, vous avez compris, vu notre âge. Mais acolyte, ça a foiré, hein. T'inquiète, j'ai trouvé des mecs. N'oublie pas de jouer le jeu. Hé, hey, vous deux, vous voulez faire la fête, les filles? Alors, c'est son amie, hein. Elle est trop bandante. Tout à fait. Vous avez pas envie de la prendre en VIP? C'est pas, elle est un peu petite. J'aime bien les petites. Toi, tu prends celle avec le défaut de prononciation. Allez, allons nous faire quelques dérochets. Je me disais qu'on pourrait entrer et discuter un peu. Ouais, d'abord, on veut du spectacle et après, on cause. Ah, d'accord. Alors, messieurs, ça vous est déjà arrivé d'inviter une fille avec un tatouage de pénis? Eh, hey, on n'est pas venu là pour causer, poulette. Ouais, pas question de parler avant que t'aies fini de te frotter. Ah, d'accord. Très bien, acolyte. Tu sais ce que ça veut dire? Lab Dance Mini Games. Mais qu'est-ce que c'est? C'est à moi de me frotter? Oh merde! Ok. Attends, c'est quoi le délire là? Toute la salle VIP. Ok. Donc je suis connu. Non, c'était quoi ça? Que pour lâcher des caisses. Oh non! Attends, hein. Hey, les gars, on va faire mieux. Pas de question que je fais pour ça. C'est horrible de bouger les sticks en horizontal comme ça. Attendez, je me suis désynchronisé les deux fesses. Ah, je vais gerber. Oh là, je vais tout donner. Rotation de stick, ça je connais bien. Oh ouais. Oh l'expérience des chiottes. Ok. Aïe aïe aïe! Discutons. Ok, lap dance complete! Il était pas mal ce mini-jeu. Il était sympa. Tapez la discute! Tapez la discute? Oh non! Alors, vous faites quoi comme boulot, les mecs? Et vous avez déjà invité une fille qui a un tatouage de pénis?
Pourquoi t'arrêtes pas de parler d'une stripteaseuse avec un tatouage de pénis? Ouais, Classy, c'est son nom. Elle s'appelle Classy? Ouais, Classy, avec une petite bite suspendue au C pour faire un joli C-U-L. Mais bien sûr! D'où le tatouage? On tient son nom, le nouveau! Allez! Qu'est-ce que tu racontes? C'est le VIP le plus nul que j'ai jamais vu! Tout ce que j'ai fait, c'est me faire péter dessus. Toi, tu vas nulle part. Ah! Je ne suis pas une stripteaseuse ordinaire! Je suis Capitaine Gamette! Quoi? Mon acolyte et moi, on s'est servi de notre pouvoir de camouflage pour vous soutirer des informations! T'en tireras pas comme ça, Capitaine Gamette! Et c'est parti pour un combat totalement effréné, bas les clients VIP. On n'est que deux, il va falloir faire attention les gars. Ce que ok. J'ai fait, c'est me faire péter dessus. J'ai peut-être mon idée, sachant qu'on peut faire à mon avis le tour de la table. Ça serait de faire ça, déjà on va le mettre en feu. Ça me paraît pas mal. J'en ai loupé aucun, 11-11-13, c'est propre. C'est la dernière fois que je paye pour une stripteaseuse premium à 20$. Ok, je sais pas ce qu'il va mettre, ils ont ralentissement. Je vais aller dans... Parce qu'ils sont bourrés, combustion, c'est pas mal. Donc Captain Diabète, c'est peut-être la première fois qu'on joue avec lui. Alors là je lui inflige 54 et là 36, clairement on va faire 54. C'est pas mal et en plus ça repousse, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre et efficace. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va continuer de lui mettre ça. Non, on lui a déjà mis. Ça, ça peut le reculer. Ça me paraît pas mal, ça va non seulement le reculer mais vu qu'il pèse une tonne. À voir. À voir. Je connais une fille au Cambodge qui fait ça, elle tape le kickboxing sur le même prix. Aïe! Ah là là, il a repoussé aussi. Quel manque d'honneur! Il m'a mis un sacré combo. Hein. À noter qu'il y a des tacos quand même sur la table de devant. En Thaïlande, je me suis fait refiler la trique par une fille qui avait aussi la trique. Ok. Mais qui l'autre, ce vilain? Ok, j'ai peut-être ma petite idée. Vous avez votre danse, vieux dégueulasse, on ne rembourse pas! J'ai peut-être ma petite idée, mais là, ça va le repousser, c'est terrible. Non, j'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix, on va faire ça. Je vais appeler la répression des fraudes et leur dire que tu m'as filé qu'une demi-molle. Ok. Lui, il est totalement mort. C'est deux contre un maintenant. Bon, ça va, aucune difficulté, les gars. Explosion de combat, acolyte. Classy ne peut pas attendre. Allez, ça, ça dégage. On prépare une hippo, messieurs, voyez le directeur. Adieu. Tu as gagné, victoire! Encore une victoire de canard, les gars, ça fait gagner 25 centimes de dollars, c'est énorme. Et on passe rang niveau 4. C'est aussi incroyable parce qu'on a déverrouillé 3 emplacements. En tout cas, un emplacement sûr d'artefact, et c'est plutôt cool. On va aller voir ça très vite et je dois changer de tenue. Bon travail, les nouveaux! Maintenant, regagnons le niveau principal! Ok, les gars, j'espère que vous passez une bonne soirée. N'oubliez pas le pourboire aux serveuses et pensez aussi à payer un verre au DJ. Maintenant, on accueille chaleureusement sur scène un petit bout de paradis. Voici la délicieuse Esmeralda. C'est ça, le DJ appelle les filles, puis elles arrivent directement dès l'autre. Les nouveaux, j'ai besoin que tu trouves un moyen de distraire ce DJ. Je sais, le gin tonic, ça fait toujours ronfler ma mère. Si on réussit à en faire un super corset, il va tomber dans les pommes. Va préparer ça, acolyte. Ok, recette spéciale DJ, objet clé, un gin tonic. Ok, bougez pas. Donc, trouve un gin tonic gratuit. Trouve un ingrédient spécial. Ça va être assez compliqué, les gars, mais on peut le faire. Juste avant cela, on va changer quand même notre uniforme. Parce que là, ça va la comédie. Alors, comment on va s'habiller? On peut mettre ça avec... avec quoi? En tenue de princesse, ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal du tout. Et en lunettes, et ben on a rien à mettre, hein. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Pilosité, cheveux. Ah, maquillage accentué. Voilà, on s'est mis les cils, faudra pas oublier de les retirer par contre. On est parti. Donc trouver un gin tonic. J'ai du nouveau en stock. Ok. Alors gourde, triangle, d'accord, 4$. J'ai 21$. Gin tonic, 25$. Préparé avec du gin, du club. Oh là là. Ok, on va voir ce qu'on peut vendre. Pénétrateur précaire. Va falloir vendre des artefacts de merde. Je vais vendre ça. Je vais vendre ça. On les aura jamais, les 25$. Hein. On les aura juste jamais. Hein. J'ai fait une grave erreur en achetant. Oh là 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 là, je vois pas. Hop, j'ai lâché une caisse, je sais pas pourquoi, je suis vraiment désolé, gars. Ok, comment on peut faire? Coucou bébé. Comment on peut trouver de la thune?
dégager, je suis occupé. Je vois pas du tout, je vois sincèrement pas comment on va pouvoir faire en fait pour trouver autant d'argent et tout. Allez les gars, ça fait une demi-heure que j'ai commandé un verre. Ah, 1,36$, c'est pas mal. C'est quoi l'âge légal pour les clubs de strip? Tu danses ce soir, Boucho? Comment on peut faire? Peut-être en allant là-dedans. Ça a l'air d'un truc qu'on pourrait mettre dans un verre. Ça a l'air d'un truc qu'on pourrait mettre dans un verre. Ok, de quoi qu'est-ce qu'on peut mettre dans un verre? Ça peut-être. Il faudrait peut-être un peu plus de puissance de feu. Pour trouver un objet explosif et appui pour l'allumer. Bah du propane, logique. Waouh, ça a l'air plutôt dangereux. Appuie sur Y pour péter sur les flammes. Oh là là, le bordel. Écarte-toi. Ça a été efficace, acolyte. Je vais te laisser gérer les trucs dégueux, acolyte. Foutre et crotte de nez, c'est dégueulasse. À notre préparation. Ok. C'est totalement dégueulasse. J'ai pas d'argent, là. Y'a sûrement un truc dégueu à mettre dans le verre du Dinze par ici. On l'a. Hop, le rat là-bas, attention. Alors, ok, d'accord, l'escabeau. Voilà. Ça suffit pas, c'est très bizarre. J'ai peut-être mon idée. J'ai peut-être totalement mon idée. On va le mettre dans le truc du congélo. Là, on va fouiller. Peut-être un peu de thunes. Piège à rat, non. Ah, il me faut de l'argent, les gars. Hein. Sinon, je vois pas comment on va faire, hein. Vraiment. Hein. Okay. L'excellent travail, Trudic. On approche, acolyte. Crotte de rat, c'est fait. Très bien. Comment on peut faire maintenant? Il me faut de l'argent. Il me faut juste de l'argent. Tu portes toujours ça pour aller dans un club de trouve un gin tonic gratuit. D'accord, ok. Ah mais y'a un bébé, MDR. C'est bon, j'ai le gin tonic. On a tout pour préparer une boisson qui l'assommera. J'ai failli l'acheter, c'était terrible. Créer le spécial DJ. Oh là 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 là. La pire erreur si je le faisais, la pire erreur. Je me demande qu'il ne faut pas autre chose. Ok, on est pas mal, rendre créateur. Oh là là. C'est quoi tout ça? Rendre créateur 5, c'est incroyable. Tu crois que c'est assez dégueu pour mettre le DJ hors service? Seigneur, oh mon dieu. Désolé de t'avoir infligé ça, acolyte, mais il n'y a rien que je déteste autant que l'épée. Ça réveille la raison, fuit tout au fond de moi. J'aurais préféré que ce ne soit pas d'épée, mais ça va assommer le Dizé assez longtemps pour qu'on trouve Classy. Ok, on l'a. Direction le DJ. On est toujours à la recherche d'un chat disparu depuis le début du jeu, je vous le rappelle. C'est le Koon qui nous a donné cette mission. Quelqu'un a enfin payé un verre au DJ, c'est sympa. Ça fait du bien, le DJ vous remercie. Oh, c'est pas vrai, je crois qu'on a pété dans mon verre. Les gars, je reviens, n'oubliez pas le pourboire des serveuses. Je crois qu'on a pété dans mon verre, c'est improbable. Bon travail. Waouh, ok, les gars, tapez dans mon verre. Pensez au pourboire de vos servantes serveuses. Ça promet d'être fou sur la scène principale. Je vous demande d'accueillir Classy. C'est ça les mecs, en courant là, c'est Classy. Avec une petite bite suspendue au C pour faire un joli cul. Applaudissez bien fort, Classy. Hé, qu'est-ce que t'as à m'appeler là? Je suis pas encore sur scène. Attends un peu, t'es pas le DJ. C'est sûrement elle, le nouveau. 22. V'là les flics. Ok, grosse bagarre les gars. Ça va être terrible, suivons-la. Ok, donc Classy était bien là. Attends. Ok, c'est totalement verrouillé. Oh merde. Ah d'accord, on va se battre contre les stripteaseuses. Ah mais y'en a une, elle a quoi là dans le ventre là? Personne n'est autorisé à entrer ici. Ouais, allez chier. Écartez-vous, mesdemoiselles. Capitaine Gamet et son acolyte doivent interroger cette striptease. C'est elle que vous cherchez. Faudra d'abord vous débarrasser de nous. On vous attend de pied ferme. Ok, on est parti à un combat contre les stripteaseuses. Si on pétait dans mon verre, vont se faire défoncer la tronche par les charmantes filles de notre établissement. Par le pouvoir du diabète, je vous supplie de vous rendre, mesdames. Ok, là c'est pas mal, on va toucher tout le monde. C'est parti. Oh là là, c'est beau ça, c'est un très beau coup ça. Je vais te tuer. Voilà notre faiseuse de fellation favorite. Applaudissez Fuchsia. Faiseuse de fellation. Très bien. Ok, ça c'est pas mal ça. Si je lui mets ça, elle va... Bah elle est morte, elle est totalement morte, elle va prendre ce qu'elle mérite. Ok, totalement morte. Oh non, je vais pas me
Ah, ne laisse pas Classy s'échapper, objectif spécial. Faites du bruit pour Paris. Oulala, Paris, tout est dit. Continuez vers la sortie, acolyte. Elle nous arrive tout droit de Copacabana. Vous savez de qui je veux parler? Applaudissez fort la luxurieuse Lola. Lola, on va lui mettre ce qu'elle mérite, hein, les gars. Je vais te faire couiner, mon poulet. Ok, c'est pas mal. Personne n'est à la hauteur devant l'acolyte. Ça, grâce à ça, ça va repousser derrière. La température vient de monter, on dirait. Oh oui, voilà Esmeralda. Mais attendez, allez, dans les cordes, acolyte, continue. Ils sont trop près, arrête-les. Elle a acheté quoi? Je savais où je l'avais rangé. Y a pas de raison que ça tourne en villa. Ok. Je sais ce qu'elle a acheté, les gars. Et je sais surtout où elle a rangé. Tu vas le payer en fur. Putain, les meufs, j'ai dit. Arrêtez-les. Waouh, toi, laisse mon acolyte tranquille. Fais faire de la purée, acolyte. Ok, c'est terminé pour elle. Elle a pris une chaise. Des applaudissements pour Blaze qui nous arrive de son travail de jour. On pourrait baisser la lumière? Il faut sauver Classy. Prends le couloir, acolyte, vite. Les petites terriens face au pouvoir du diabète. Ok. Je vais mettre ce qu'elle mérite. Elle est totalement morte déjà. Elle est capable d'écraser une passerelle contre ses cuisses. C'est Anastasia. Waouh! Continue à avancer vers Classy. Ok, vous m'avez vraiment vénère. Ah! Ok, donc elle a pu reculer. Ça, c'est fort chiant. Montre-leur ce que nous valons, acolyte. On vaut pas grand-chose là. Attends. Si je fais ça. Ah putain, ça mène pas derrière. Non, le mieux c'est ça, hein, tout simplement. Allez, ça dégage, est totalement mort. Okay, ultime prêt. Le nom de cette fille parce qu'elle va vous trouer le cul. Voici Ronda. Non mais elles sont combien? Continue vers la sortie, acolyte. Éclate-les, pétasse, t'attends quoi? Elle est juste derrière, je la vois. Oh, regardez-moi cette machine. Désolé, mesdames, mais on a une urgence. C'est sur le camp des filles. Okay. Personne ne peut battre Capitaine Diabète et son fidèle acolyte. Ça me paraît pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Aïe aïe aïe, combo de repoussement, d'accord, c'est pour ça que ça l'a touché. C'est une vraie tigresse du twerk. Saluez comme il faut, Trixie. Il faut atteindre le bout des couloirs. Tu vas leur péter la gueule à ces flics, ouais. Ok. C'est compliqué, hein, avec les repoussements. On subit ce qu'on mérite, très clairement. Allez, c'est parti. J'ai peut-être fait une grave erreur. Hé, pétasse, protège mon cul. Colle-toi ça où je pense. Allez, m'envoyer un peigne. Non mais elle, elle a quoi au bide là? Je vais m'en occuper. Ok, c'est pas mal ça. Et une beauté au tapis. C'est pas mal ça, et ça donne une protection. Captain Diabète est très très bon. Oh, vous allez voir, espèce d'enfoiré. Chope les bouteilles. Écoutez bien vous tous, voici la plus impressionnante des créatures. La maîtresse du sadomaso, l'incarnation de la dominatrice. C'est Spontaneous Bouteille. Hé trésor, t'es pas prêt pour bouteille. Oh le bordel, elle a des poils au nombril. Ah. Je vais t'écraser entre mes deux fesses. Bouteille va te faire. Ah le oh là le bordel. C'est mamelon, c'est du vinyle là. Oh. Oh la masse, elle va nous écraser avec son cul de camion. Ok. Évite bouteille, ouais. Alors là ça va être chaud. Quand cette jauge est remplie, Spontaneous bouteille interrompt le tour en cours pour attaquer immédiatement. Je préfère vous avertir, ce cul est fatal. Waouh. Ça va être assez compliqué. Ne répète pas au coup que j'ai dit ça. Putain, y a deux gens derrière. Écrase-les. Ah, c'est terrible. Hein. On oublie jamais sa première. Va falloir qu'on avance. Hein. Laisse-moi m'asseoir sur ton effet. J'arrive. Ok, va falloir avancer. On n'a pas le choix. Espèce de flicaillon, vous allez finir au paradis du derche. Tiens, cadeau. Donnez-vous, adversaire. Ok. Et diabète l'emportera. Quoi qu'en faisant ça. Oh mais j'ai pas eu le temps. Je suis mort. Merde. C'est quoi ce délire? Spontaneous Bouteille sème la mort.
qu'une fois encore. Ah non, mais elle attaque tout le temps. Ça faisait un moment que ça fermentait. Oh putain, d'accord. Elle attaque tout le temps, ça va être terrible. Ça va être terrible, je peux rien faire pour le frérot là, les gars. Il est totalement mort. Une chance contre un cul de cette taille. Oh là 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 là. Par contre, elle va tuer tout le monde, c'est plutôt cool. Je suis mort. Je suis mort, sa mère. Non. Aïe aïe aïe. Ce boss des enfers. Dernier checkpoint. Quoi? Faut tout refaire. On se retrouve direct devant, les gars. Allez, on est reparti, les gars. Écoutez bien vous tous. Ça va être la merde, ils ont invité Boutet. Va falloir qu'on bombarde très clairement. C'est Spontaneous Boutet. Hé, Trésor, t'es pas prêt pour Boutet. Ok, on est parti. Va falloir se dépêcher, on n'a pas le choix. Oh la masse, elle va nous écraser avec son cul de camion. Ok. Spontaneous Boutet aime la mort. Une fois encore. Allez, hop. J'ai essayé de faire vite, mais là ça va être compliqué. Attends. Ok, c'est bon, j'ai pu lancer mon truc avant, ça fait que j'en ai tué deux. Aucun putain de problème. Là elle va attaquer. Là elle va attaquer. Ça va aller. Je pense que cette fois-ci on doit être bon. Normalement, si tout se passe bien, c'est une machine. Là. Vous allez finir au paradis du nerf. Je sens le truc vous courir dans mes veines. Et une beauté au tapis. Va falloir que je bombarde, hein. J'ai pas le choix. Ça me plaît, acolyte. Il paraît qu'il y a jeune client. Je cavale là, juste je cavale. Si elle me repousse, elle me met pas bien. Si tu te casses maintenant, tu pourras peut-être survivre pour te la raconter. Oh putain, elle m'a reculé. Elle m'a reculé, bien joué à elle. Bravo de la graine, acolyte. Ok. Montez dessus. Hop, ça c'est pas mal ça. Hey, vous avez vu ça? Captain Diabète, il fait clairement le boulot. Fais faire de la purée, acolyte. On va faire l'aimant. Ça touche personne forcément. À moi, en pure. Ouais, pas, me voilà. Ok. J'arrive. Elle est loin, elle est loin. On est large. Là j'ai pris une petite avant, je vais pouvoir me permettre. Vous n'avez aucune chance contre un cul de cette taille. Venez. Ça c'est pas mal. Petit enfoiré de ta mère la pute, je vais te tuer. Pour classique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'attaque d'aussi loin, vraiment. Mets-toi ça dans le fion. Si tu savais où je l'avais rangé. J'ai même pas pu attaquer, elle a grillé mon tour, c'est le but. Hein. C'est le but, elle grille totalement ton tour. Ça va être compliqué cette histoire. Ah merde, fils le camp, acolyte. Ah, elle va me reculer. Viens là, que je prenne soin de toi. Recule, acolyte, je vais m'en occuper. Ok. Ça, c'est pas mal. Si tu m'as éclaté à Robert, tu vas le payer en fur. Garde-toi ça où je pense. Il va falloir que j'accélère. Oh là 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 là, elle me laisse pas, elle me laisse pas. Je pense qu'il y en a qu'un qui va arriver, c'est lui. Spontaneous Boutet sème la mort. C'est bon, SK. Ah oui, d'accord. Qui veut une lap dance? Ok, normalement on arrive au bout d'un moment. J'ai touché la meuf de derrière. C'est bon, on est large. Yes, tu as gagné victoire. Bon, il a fallu quand même refaire une tentative et j'ai dû tout recommencer. Ça, c'était un petit peu terrible. Je crois que j'ai déverrouillé des yeux. Les yeux flammes, je sais pas voir. Hé, laisse-moi entrer, enfoiré, y'a les flics. Quoi? Allez, entre. Allez, dégagez. Et croyez pas que j'ai peur d'utiliser ce machin. Allez, il nous rend. Allez, on doit aller dans le resto cette fois-ci. Et on va tout simplement s'arrêter ici pour cet épisode 8. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous. À bientôt tout le monde.